Premier mystère joyeux, l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Évangile selon saint Luc. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Nous voici à nouveau réunis pour notre prière du 23. En ce samedi, nous méditons les mystères joyeux. Nous sommes à quelques jours de Pâques et nous découvrons l'Annonciation aujourd'hui. Surprenant, on aurait pu méditer la résurrection, mais c'est la même surprise en fait qui doit nous animer. Marie a été surprise de cette visite de l'ange. Nous sommes surpris avec les saintes femmes, avec les apôtres, de la résurrection du Christ. Dieu est tellement surprenant, Dieu est tellement grand et puis en même temps tellement délicat quand il agit dans nos vies. L'ange est tout délicat avec la Vierge Marie. « Sois sans crainte, je te salue. » Ce sont ces mêmes paroles que nous pouvons accueillir aussi dans nos vies. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des échéances d'examen, de bac, de Parcoursup et tout ça, et bien ça peut vous être un peu stressé. Bien, le Seigneur vous dit « Sois sans crainte, je suis avec toi. Sois sans crainte, je t'accompagne dans ta vie. » Parce que ta vie, elle va être belle, ta vie, elle va être utile pour le monde et elle va te rendre heureuse. Heureux. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Marie, vous savez, est une femme à part dans la Bible, une femme à part dans l'Église, une femme à part dans l'humanité. Elle a été choisie par Dieu pour donner Jésus. Mais nous aussi, nous sommes choisis par Dieu, appelés par Dieu pour donner Jésus au monde d'aujourd'hui. Peut-être que vous seul pouvez parler à vos amis du Christ Jésus. Peut-être que vous seul pouvez témoigner par votre vie quotidienne, par votre joie quotidienne, que Jésus est à l'œuvre dans votre vie et dans notre monde. Nous aussi, nous sommes appelés à la suite de Marie à vivre d'une intimité particulière avec Jésus. Alors, nous aussi, soyons sans crainte. Nous aussi, réjouissons-nous. Nous aussi, réalisons que nous sommes comblés de grâce. Pas comme la Vierge Marie, ou d'une manière un peu différente, sans doute. Mais le Seigneur nous aime et nous comble de sa grâce. Le Seigneur est avec nous dans notre vie. Voilà, que cette prière pour les JMJ nous aide à réaliser que Dieu a un projet pour nous. Nous le découvrirons au fur et à mesure de notre vie, si jamais nous sommes attentifs à ce qu'il nous propose, et sans doute que notre rencontre mensuelle des JMJ peut nous permettre cela, à travers notre prière, d'être attentifs à ce que Dieu nous propose. Vierge Marie, nous nous confions à toi aujourd'hui, nous te demandons de nous aider à accueillir Jésus. Voilà, tu l'as accueilli dans ton corps d'une manière unique, nous aussi nous pouvons l'accueillir dans notre vie, jour après jour, mois après mois, année après année. Nous aussi, nous sommes invités à vivre de cette intimité avec Jésus. Vierge Marie, montre-nous ce chemin de joie, de paix, qu'est la vie avec Jésus. Vierge Marie, nous te confions toutes nos intentions, nous te confions ce chemin vers les JMJ. Guide-nous vers ton Fils, Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.